ben on salue nous, m'a dit go bonsoir. Donc on est comme moi était bon être hier, me dit je suis en plan base, donc je dis maintenant quartier général. Et voilà mec dans Washington, il y a de la calme, donc on salue nous, moi merci tout le monde. Des beaux salutations moi, moi merci aux gars. Puis ben on goûte à ce café pour les souhaiter bienvenue et puis j'ai quand même la porter au maïmoulin ou bien on mange la caille. Pour nous manger ensemble. Ça va faire pendant la semaine là, et puis j'ai dit au et tout, il a côté jus. Donc on va comprendre qu'il y a un balayé là, et puis il y a un temps de Fred là pour nous à Washington, pour nous venir et célébrer ensemble. Alors entre-temps, on va parler donc que l'équipe Salisco là pour nous à Suzuni, la semaine prochaine pour justement pour nous à l'occasion de l'Assemblée générale, organisation internationale. Donc on va pouvoir être sur ces questions-là. Ah bon, on a commencé avec l'autre grand prix qui a dominé l'actualité sous plan international. Et d'abord, et c'est le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, qui est nous trouvé en Russie. Ils ont visité que la France, et pas dire critiquer non, mais la France dit que c'est. Alors, raison montrer comment que. Là aussi, il est isolé sur le plan international, c'est peut-être raison qui fait que les tournées, attention, et vers la Corée du Nord. Donc on a pu discuter, il y a un peu de Paul qui a parlé, il y a fait des amis qui parlent de négocier entre la Russie avec la Corée du Nord. Donc c'est quand même fait pour retourner sur le coup, et puis il y a tout en Espagne, il y a l'ancien président de la fédération. Football et espoir là, Luis Rubiales, vient pour comparaître devant le tribunal vendredi. C'est sous demande des procureurs généraux qui m'ont dit ça. Donc, je convoque M. pour venir répondre des noirs de boxeurs que M. a fait avec Joël Mosso, qui a vraiment fait un pile tournée internationale sur tous les réseaux sociaux. Pression internationale sur d'autres, pression dans la fédération de football, pression de joueurs de toute sélection, et bien finalement, je suis démissionné, donc ce qui est pour comparaître, pour aller répondre avec la justice, et puis tout les juges, tout qui déposait près tout comme victime. Donc son dossier qui est censé le vivre. Alors on a pour le beau ça, c'est que je prends d'être devant la population mondiale là, parce que dans le moment que la sélection de football sport là, tu as pu recevoir médaille et trophée et Coupe du monde football féminin que tu as remporté alors qui t'a déroulé en Australie avec Nouvelle-Zélande. Donc c'était en finale que mesdames et messieurs ont remporté la compétition. Voilà, c'est ça lié. Et puis, dans l'autre nouvelle, le président Joe Biden retourné à Washington. Après, il a participé au sommet G20 et à Hanoï, au Vietnam, côté du jeu noir, pour coopération entre les États-Unis avec le Vietnam, qui est un accord historique. Et puis, le président Joe Biden, entre-temps, tout bien, le président chambre député et Kevin McCarthy qui a annoncé que. Chambre des députés après l'ouvrir une enquête sur le président Joe Biden qui a soumis pour capter une information. Mais son enquête, une sorte d'enquête d'impeachment, ça son enquête capte un résultat comme si tout va accuser les pirates de son pouvoir. C'est ça que résultat enquête ça que chambre des députés après l'ouvrir, que le président de chambre des députés Kevin McCarthy a annoncé. Donc c'est une nouvelle qui fait un peu de parler. Surtout parmi les démocrates, mais les républicains, ils ont modifié plus de jeunes et un document, ils ont annoncé de bail qui vient pour eux avec l'enquête déjà qui le jour même sur le petit président Joe Biden, on a parlé de Hunter Biden. Donc, son dossier qui est censé l'ouvrir encore. Et puis, Maroc, nous rapportons que un gros temps de tête se frappé dernièrement là, à côté, puis passer 2 minutes de mourir là-dedans. Sauf des gens qui disparaissent, et bien Maroc est un genre réticent pour accepter l'assistance dans mon série de pays, bien que les États-Unis offrent l'assistance. C'est que l'État américain, le République, a annoncé que l'État tente pour que Maroc ait confirmé l'assistance que les États-Unis ont proposée. Et ça a été pareil pour prendre tête et foyer.
il y a un pays de police qui est déjà passé, mais la France est mais et je suis réticent pour la cité assiste. Mais quatre pays, c'est le pays de Sahel, c'est l'Italie, la Belgique, la France avec l'Allemagne. Donc, même tout, ils ont proposé assistance et tout, mais jusqu'à présent, pour que je ne réponse. Dans le Maroc, je m'en propose, je m'en propose, je m'en propose 6 points. Et puis, c'est moins que 7.8, 7.0 sur l'excès là. Frappé PIA et vendredi passé, mais surtout dans la zone Atlasio, dans la montagne, c'est une zone qui peut affecter. Et PIA, le travail, puis le gouvernement a été décrété en 3 juillet qui commence à partir de dimanche. Et moi, j'ai demandé pour de distribuer de l'eau et pour toutes les nécessités. Et puis, abri provisoire pour les victimes, surtout les petits cailloux, pendant le passage, c'est ça. Bientôt. Et bien, bon, voilà. Et puis, on a appelé que. Oui, voilà. Et puis, Libye. Dans Libye, tout y a près de 2000 personnes qui mourent. Et puis, il se passe environ 10 000 autres personnes qui disparaissent. Et puis, quand on a l'appel, après l'inondation de la PIA, tout le monde a des conditions à la et il nous a fait ça qui a été. Si nous ne pouvons pas prendre un appel, et nous avons déjà eu 2 minutes de oui, non, il nous a fait ça. Et dans le pays d'Haïti, c'était peut-être dans le cas de conflit, et le Dominicain avec Haïti, à côté du gouvernement dominicain, particulièrement le président Abinader, parce que l'autre demandé à Haïti de camper sur les barrages à faire pour y avoir un. C'est la première fois après qu'on prend de l'eau dans le massacre, puis a osé tout pleinement et bah ouais, il a vraiment occupé de 3000 hectares de terre capable de faire pour capable de bénéficier du programme ça que le président, le journal était commencé, il était campé, mais les paysans ont pris l'initiative là et a marché et le président Joseph avait demandé pour camper sur construction. Sinon, d'abord il campait frontière, il fait un français d'Arabon, voilà maintenant, et il a annoncé plus. Mais je suis toujours que la République dominicaine est capable d'adopter si Haïti n'est pas capable de se faire. Puis nous qui critiquons la République dominicaine, nous disons, mais ça passe. Si il y a là, d'après l'accord que Haïti a signé avec la République dominicaine en 1929, sur répartition de distribution, répartition légale et égale l'eau et rivière Massacre là, mais la République dominicaine. Il y a 11 prises de l'eau que tu prends dans la rivière là, et tu pourrais j'en prends une, excepté le président Jovenel Moïse qui a commencé une, qui n'est pas fini. Et je dis à président et paysan dans la zone, commencé à faire travaux là, sans assurance gouvernement international, parce que l'État pas là, et le ministère de l'Agriculture qui a normalement mettre de là, le ministère de l'Agriculture qui a dû mettre de là, mais il n'y a pas de là, mais le président Moïse a commencé, et le paysan dans la zone. Je prends l'initiative de la continuelle, puis on est arrivé avec le président Moussa Benalé qu'on fait pour être dit que cramper sur le bar là parce que les conseillers ça comme une menace pour l'environnement dominicain si Haïtiens arrivent prendre l'eau qui normalement partage les frontières de pays. Et à partir si un de pays pour prévoir de réunions pour distribution égale égo entre deux pays ou usage égal égo entre deux pays. Mais Haïti pas de jambes prendre parce qu'on ne peut pas prendre toutes les raisons. Excepté qu'en 2021, pour les gens qui ont été dans ces initiatives-là, mais qui ont toujours une discussion. Et selon un ancien Premier ministre, que le journal et dominicain Licindiario a interviewé, il dit que le problème est que Haïti n'a pas un président qui est capable, ou bien pas un représentant local qui a campé pour négocier avec, parler avec les dominicains. Donc, ça a rapporté dans le journal Licindiario. Et ils sont pas quittés car ils sont en table de négociation, mais ils semblent pas premier vers, ils ont un conflit plutôt entre Haïti et les Dominicains, qui n'ont pas aucune raison d'être parce que c'est une population de pays qui est en paix, etc. Surtout les montées sur frontière, mais les Dominicains ont mis la garde, etc. Alors le président Luis Abinader il dit que si jeudi, Haïti va camper sur ce projet, et bien bon, et pour commencer, ils vont camper sur après visa. Pas bien à faire visa et visa haïtien pas qu'à demander visa dans le consulat dominicain encore. Et en plus, ils vont faire une frontière totalement nette. Actuellement, la frontière partie dans une zone d'Arabon pour les conflits aériens fermés. On parle d'Arabon et d'Arabon Waname, la zone ça fermé. Et puis, si, ben, si c'est toujours qu'à faire une frontière, ça va bien longtemps, ils partent dans l'autre partie de la frontière fermée et tout, mais c'est ça, c'est donc l'autre conflit qui est entre paysans, entre habitants dans la zone, dans la période de Elias Pignas.
tout est ouvert parce que tu as un conflit, le conflit là il était fermé et mais il était ouvert récemment. Donc on a assez d'abord qui fermé et non après que les zones s'assurent qui est important d'abord sur le plan économique. Pour dire l'activité économique a passé un peu pays, surtout le marché binational qui est dans trois zones. D'abord dans la zone d'Ahabon et Waname, il y a Spignas et Belader, et puis il y a tout et Rimani, Malpass, et très certainement en Sapit avec Pédanal. Donc côté que le marché binational, mais d'après toute analyse qui fait que Dominique fermé, Dominique bénéficie plus. De Haïtiens, parce que Haïtiens sont venus pour acheter. Donc Haïtiens, fermiers dominicains et reproduisent, mais c'est Haïtiens qui viennent acheter. Non mais, Alain de Mallorca dit que la raison est que les États-Unis ont demandé de lancer un appel de personnel et personnel ambassade de la priorité qui est Haïti et puis que possible, c'est à cause de menaces. Je veux dire que quand ils ont fait pour les menacer, le personnel ambassade là, donc c'est des raisons qui font que l'État a lancé un appel pour demander. Pour demander à Américains si le personnel ambassadeur peut être d'Haïti le plus possible. Ça, c'est une déclaration que Journalement Amiral a rapportée. Et le rapport est exactement la déclaration du ministre de sécurité américain, Alejandro Mayorkas, fait sur le dossier-là. Et puis, le dossier qui finit pas toujours dans l'actualité jusqu'à présent. Et il y a des démarches qui ont fait beaucoup d'autorités ou bien avocats qui ont présenté Guy Philippe pour jusqu'au jeune document voyage qui a permis que Guy Philippe quitte les États-Unis pour voyager en Haïti. Mais en attendant, d'après des dernières nouvelles, Guy Philippe transmet toujours en main et ICE, qui est le service agence d'immigration, et captant documents, c'est ça, on peut pas déporter. Mais il y a une opinion partagée, il y a une qui dit bon, les États-Unis sont arrêtés là, ils étaient venus aux États-Unis, ça passe pas sans pour ça que et pour quitter Haïti, pour quitter les États-Unis, pour entrer en Haïti, il faut qu'il y ait un passeport, etc. Mais c'est un bail qui peut résoudre entre le ministère intérieur haïtien avec l'autorité américaine. Mais avocat qui a défendu les Philippines, il dit qu'il était déjà fait demande. Il a demandé et l'autorité haïtienne a pu être banni sur un document voyage pour être capable de retourner à Haïti après les États-Unis et libéré. Alors, la justice américaine libéré. Et après les fins purgées, en principe, 85% de la peine qui a été prise et qui a adopté. Donc, et puis, le premier ministre a été enlevé. Et Jérémy, côté digital, lancé l'ouverture à l'année scolaire, l'ouverture de l'école là. Mais nouvelle, la presse locale rapportée sans beaucoup proche. Et une population qui est calonnée machine et cortège premier ministre. Et c'est dans un commissariat dans un refuge pour sur l'école. Mais bon, par une nouvelle par rapport à ce qui est fait non plus tôt, par une nouvelle par rapport à ce qui est fait, etc. Et puis le dossier haïtien, comme je dis, a deux gains ou un point virtuel entre acteurs protagonistes, les acteurs haïtiens. Et n'a pas les acteurs haïtiens qui m'impliquent dans le crise, ça, opposition, bien, consignataire, accord et CARICOM, accord Kingston, non, avec supporters et accord 21 décembre, que l'accord primature là. Eh bien, et t'as de grands rencontres parce que, n'a petit que CARICOM, une délégation CARICOM qui était en Haïti récemment, mais elle était en Haïti dans le week-end, dimanche, sans que le pas jouer un résultat, sans que le pas arriver, fait acteurs concernés, mettez ensemble, mettez tête ensemble pour jouer un accord, pour être juste signé un document ou bien un accord. Alors, accord ça, et selon tout signataire accord et Kingston, je vais demander à ce que le Premier ministre Ariel Henry démissionne. C'est une demande qu'il y a, il faut que le démissionne, mais je vais demander tout pour participer à la négociation, mais il faut qu'il mette en jeu sous table post-LIA. Ça que supporter l'accord 21 décembre, non, bien encore supporter l'accord pour Matula, ou bien supporter le Premier ministre, n'ont pas d'accord avec elle, et c'est là que Bayern a rentré là. Mais pour entre-temps, la Société Unie pour le Haïti, et nous attendons le 15 septembre. Si on peut penser, donc, l'État du temps nous rapporte, ça avait été prévu que je dis à la deux rencontres, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de conseil. Jusqu'à présent, il n'y a pas rien qui dit que, à qui la rencontre a fait, qui a participé là. Donc, mais c'était au moins ce qu'il a fait déjà. Possibilité pour ta rencontre virtuelle en CARICOM avec l'acteur concerné avant même que les Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies ne pas prononcer cette situation dans le pays d'Haïti. Et puis bon, je ne sais pas comment ça va passer pour Philippe, je ne sais pas comment il y a un dossier ça.
Je dis à nous, dans le cas là, avec un présenté pour jeudi, à la clé, qui a présenté nos éditions journal jeudi. Et c'est certainement grand pile de ce qu'on a parlé, on a su surtout de ces caricomes-là, et puis on va laisser Miguel pour parler de la situation immigrant qui est dans New York. Et puis, moi, il m'a parlé tout de un rapport que OIM, c'est l'Organisation internationale de migration publiée, sous. Et côté lui, il a rapporté que les frontières États-Unis partagent avec Mexique dans ces zones qui sont plus dangereuses. Et ces gens côté gain plus civique puis côté gain plus monde qui mouri sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, la zone qui plus dangereuse dans le monde. Et donc OIM publie après m'a parlé de lui, m'a parlé de raison. Et mais on a dit que il y a trois pays dans Caraïbes là qui sont plus concernés, plus victimes, qui peuvent bien plus monde qui mouri tout, c'est Haïti, République Dominicaine avec Cuba. Il y a cette plus spéciale pour qu'il y ait plus immigrants qui cherchent à voyager par la route pour rentrer aux États-Unis. Voilà, parce que c'est là que nous avons payé avec mes questions en bon, parce que je ne sais pas pour les questions que nous avons payées. Mais hier, quelqu'un qui a regardé nous sur Facebook, il y avait un jeune commentaire qui fait qui dit que je ne pas trop. Et le mina matin, encore, j'ai dit que je ne suis pas là, mais essayez de comprendre que je ne suis pas moi-même. Moi, étant des sons pour qu'on ait un son et c'était si nous réagissons, si nous sommes capables de nous. Voilà, c'est là, je me suis dit, demain encore, on a fait un petit peu encore sur l'autre grand point, c'est ça, de l'Union, surtout sur le plan international. Alors, dernière nouvelle qui vient là, c'est l'annonce que le président de la députée a, et Kevin McCarthy fait pour dire que la chambre de députée a pris l'ouverture d'enquête avec possibilité pour retirer. Président Joe Biden sous pouvoir, mais il va chercher un peu plus jeune et document bancaire avec l'autre document quoi qui pourrait entre le président Joe Biden avec petit garçon ni entre Biden qui vient longtemps de bien parler de situation et que le découvrir lié lancer le dossier etc. On a bien avec plus de détails sur ce dossier là. Un petit bonsoir, bye bye, on parle encore, bye.